Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Mais vous êtes là depuis longtemps? Mais c'est une très mauvaise plaisanterie, mon vieux. Les gyrophares et puis d'un seul coup ils mettent les gyrophares et là je me suis dit c'est pas bon. Est-ce que c'est pour moi ou est-ce qu'il y a une urgence? Donc on a toujours un petit doute à un moment. Et puis en fait il y avait sûrement une urgence, donc en fait ils ont passé leur chemin. Bon, on va commencer par le début. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais déjà vous remercier encore une fois à mes abonnés fidèles, mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Bienvenue. Surtout abonnez-vous. Oui, c'est bien moi. Fantomas. Voici ce que vous avez fait. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé, il y a une coupure dans la vidéo. Bon bah j'en étais où moi, ça m'a coupé dans mon élan. Alors, pour revenir à nos moutons, alors si vous avez regardé ma vidéo précédente, j'avais fait un nettoyage moteur complet. Vous pouvez suivre avec plusieurs étapes. Donc dans le bidon d'huile, j'avais mélangé avec du P18. Donc là j'ai mis du C98 et de l'Eco 10000 dans mon réservoir. Le fait que j'ai roulé, là je vais faire à peu près 70 km. Donc pour vous donner un avis objectif, j'ai pas forcément assez de recul. Alors il y a des petites différences, mais j'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Voilà la petite voiture sans permis qui me laisse passer, plutôt sympa. Donc j'ai pas assez de recul pour vous dire effectivement le résultat. Il y a effectivement des petites différences, mais j'en parlerai beaucoup plus longuement dans ma prochaine vidéo. Pour l'instant c'est trop prématuré pour vous donner un avis objectif. Je veux pas que ça soit psychologique, je veux vraiment j'ai pas envie de me dire ça c'est le fait que j'ai mis du P18, ça fait ça machin. Non, je veux voir vraiment s'il y a vraiment une réelle différence à force de rouler avec. Voilà, donc je vous dirai effectivement les changements sur la moto, à quel niveau. Mais voilà, quand j'aurai assez de recul. Donc ça sera certainement dans la prochaine vidéo. Là, je vais faire 70 km. Donc je vais peut-être me rendre compte de différence ou pas avec le C99 en plus et l'Eco 10000. Donc je vous donnerai ça, enfin mon avis, dans la prochaine vidéo. Alors j'ai fait un check-up aussi complet de la moto.
chez mon mécano. Enfin, il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Et je lui ai dit, si t'as pas le temps, tu le fais pas. Et il l'a fait. Voilà, mais ça, c'est lui. Donc, c'est pour ça que je voulais montrer cette petite vidéo-là. Parce que quand vous avez un bon mécano, il faut le souligner. Il y a tellement de brebis galeuses, comme je dis. Et lui, ça fait partie des bons mécanos qui est passionné et qui prend le temps de faire les choses correctement. Donc, il est sur la flèche. Je vais vous montrer d'ailleurs sa devanture. Alors il m'a fait une purge embrayage, équipe de frein avant, équipe de frein arrière. Il m'a fait une tension chaîne, voir si elle était bien graissée aussi. Il a vérifié un peu tout. Les plaquettes de plaquettes avant aussi qui ont été changées. Qu'est-ce qu'il a fait aussi je sais plus. Enfin bon bref, il m'a la vis foirée effectivement. D'ailleurs je lui ai dit si t'as pas le temps parce que ça c'était pas prévu. Il l'a fait quand même parce que je devais pas le faire par lui, je devais le faire par mon carrossier au Mans. Et puis il a pris quand même le temps, mais ça c'est tout lui. Il l'a quand même fait malgré qu'il avait du boulot. Il l'a fait quand même. Donc c'est pour ça que quand on a quelqu'un comme ça de compétent, de passionné, c'était normal que je fasse un petit peu de pub. En plus, ce jour-là, il y avait des calculs rénaux. Là, ça fait très mal. Le pauvre n'était pas forcément en forme, en plus. Salut, ça va? Ça va bien? La forme? Malade, mais ça va. Ah merde, calcul réno. Ah putain, donc le purge de frein avant, purge de frein arrière. Ouais, c'est ça, l'embrayage. Ouais. Et la vis, tu m'as dit c'était quoi la vis? Est-ce que tu auras le temps? Parce que c'est quoi? C'est celle là je l'en ramène vendredi. Alors si tu as le temps, voilà, c'est un peu galère. C'est au niveau de la ramère, la petite vis, la remettre là. Ah ben il fait pas chaud par contre, hein. Donc j'ai fait un check-up et un entretien général de la moto. Donc là je suis tranquille pendant un certain temps en attendant les 24 000 avec le jeu de soupape qui va arriver. Et là c'est la grosse sacrée note là. Mais pour revenir ce que j'ai fait sur la moto au niveau du moteur, c'est préventif, curatif, c'est très, enfin voilà, c'est que bénéfique pour le moteur, pour sur la longévité. Donc c'est que du bonus. Alors pour revenir sur la purge liquide de embrayage, je parle pas de liquide d'embrayage, mais liquide de frein arrière et frein avant, il faut savoir que sur la ZZR, il y a un gros défaut. Il y a effectivement un gros défaut, enfin c'est pas un défaut, mais c'est une maladie, c'est la maladie de la ZZR, c'est que la pompe huile ABS a tendance à se gripper, c'est à dire que si vous roulez pas énormément avec la ZZR pendant plusieurs peut-être un mois voire plus, voilà, il peut arriver que au bout d'un certain temps elle peut se gripper cette pompe. Donc c'est arrivé à l'ancien propriétaire de ma moto qui a changé, d'ailleurs j'ai la facture, qui a changé effectivement cette pièce qui coûte plus de 1600 € sans la main d'œuvre. Donc maintenant je mets du DOT 5.1, donc c'est le taux d'ébullition qui est un peu plus fort. Il faut savoir que c'est un produit qui est très corrosif et si vous effectivement vous roulez pas énormément avec la ZZR ou peut-être d'autres motos, il peut arriver, si vous faites pas une purge tous les ans, il peut arriver ce genre de mésaventure, c'est-à-dire que la pompe se grippe, donc ça peut être dangereux et en plus ça coûte très cher. Voilà, donc c'est arrivé à mon ancien propriétaire, c'est y arriver sur l'autoroute. Donc la pompe effectivement s'est grippée, donc il n'avait plus de frein. Donc oui, ça peut être très dangereux. Donc hormis le prix, ça peut être très dangereux. Alors c'est un petit contenu parce qu'il faut savoir que j'ai emmené ma moto chez mon mécano une fois, donc j'ai fait l'aller-retour. J'ai dû faire 20 km et puis après je l'emmène en fait là au moment où je roule, là je l'emmène chez mon carrossier. On est le vendredi 27 et malheureusement plus j'avais de la disponibilité ce week-end et j'aurais pu faire du contenu, me balader tout ça, mais malheureusement je ne pouvais pas puisque c'était prévu que je l'emmène chez mon carrossier avec le problème que j'en avais parlé un petit peu, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Problème de ramère et puis il me change 2-3 petites choses que je vous montrerai dans ma prochaine vidéo. Donc malheureusement ça sera un petit contenu.
Au moment où je roule, là, il fait très très froid, mais le pire, ça a été quand je l'ai emmené chez mon mécano. Et la veille, il avait en plus flotté, donc c'était assez dangereux, et il avait gelé. Et là, quand je suis arrivé chez lui, bah, d'ailleurs, je le dis dans la vidéo, mais j'étais congelé, enfin, j'avais les mains gelées, quoi, mais carrément gelé. Et là, j'ai acheté des sous-gants, donc on verra bien. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Parce que j'avais des sous-gants, vous avez vu, ceux qui se barraient à chaque fois, là. Donc ceux que j'ai achetés là, ils sont beaucoup plus épais, on verra le résultat. Alors je vous avais parlé d'ouverture de boîte mystère. Donc j'ai toujours la boîte, moi bon, je sais ce que c'est dedans, mais je voulais vous faire une petite surprise. Vous allez voir, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Je vais me trimballer avec ça, vous verrez bien. Et enfin j'ai deux choses à vous montrer. Donc ça, ça sera dans la... Alors je pense pas que ce week-end, peut-être ce week-end, mais c'est pas sûr. Bah ça sera certainement le week-end prochain. Je vous montrerai ça, j'ai toujours pas déballé, donc j'attends qu'on le fasse ensemble. Donc ne manquez pas ma prochaine vidéo. Là on va se quitter là-dessus, je l'emmène chez mon carrossier, puis je vais vous montrer un passage aussi avec un gamin. Je me vois un petit peu à sa place parce qu'il m'a regardé comme par envie, je pense. Quand on est jeune, on voit une moto, bah, on a envie d'avoir la même. Donc bah, c'est toujours c'est rigolo quand on voit ça, quoi. Bon voilà, on se quitte là-dessus et puis faites attention à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut !